L'interruption actuelle des services de l'opérateur de téléphonie mobile Airtel Gabon, à savoir des communications nationales et internationales, SMS, Airtel Money et Internet, sont liées à la section de son câble d'alimentation à la fibre optique durant les travaux de pose de pavés par une société de travaux publics, Sizangonje Château. Lors de ces travaux, malheureusement, cette entreprise a sectionné la fibre optique qui relie donc le cœur de notre réseau, tissé à celui de la NOF et qui donc dessert l'ensemble de nos services, notamment comme je disais tantôt, les services voix. Donc déjà très rapidement, dans l'immédiat, la solution pour nous c'est de rétablir l'ensemble des services. C'est pourquoi nous sommes ici avec nos partenaires pour trouver comment aujourd'hui relever les services et annihiler la gêne occasionnée par cette interruption. Évidemment, nous pensons déjà à des solutions que nous allons proposer à nos clients en termes de fidélisation, de rétention. Et c'est l'occasion encore pour nous de leur présenter toutes nos excuses suite à la gêne occasionnée. Et nous nous engageons effectivement très rapidement à leur donner de nouvelles informations sur l'aboutissement des travaux qui sont en cours, comme je disais, avec l'ensemble de nos partenaires. Dans le cadre de mieux servir sa clientèle, Airtel Gabon a mis sur les lieux une équipe de techniciens pour le rétablissement de ce désagrément dans les plus brefs délais.